Series 4 computers now have primary control of critical vehicle functions. Bienvenue à cette conférence confinée numéro 13 du 16 décembre 2020. Alors j'ai plusieurs nouvelles à vous annoncer pour cette séance. D'abord aujourd'hui exceptionnellement ça n'est pas en direct parce que en fait j'ai un cours de Master 2 au même moment. Donc j'ai évidemment comme d'habitude enregistré dans les conditions du direct. J'ai
uploader la vidéo, mais aujourd'hui je risque de ne pas être présent en chat, voilà, parce que bah, les étudiants ont aussi besoin de moi parfois. Donc voilà, veuillez m'excuser de ne pas être très interactif aujourd'hui. J'aurai peut-être quelques minutes de pause, mais voilà, rien n'est moins sûr. Donc voilà, aujourd'hui, voilà, peu d'interaction. Deuxième nouvelle, donc cette conférence confinée n'est pas la dernière de la saison, mais c'est la dernière dans ce format, voilà, à la maison, en format discussion, comme vous avez peut-être l'habitude de la suivre. C'est parce que ben, les vacances arrivent et puis voilà, le déconfinement se précise, et donc l'idée de ces conférences confinées astro, c'était de les proposer durant les périodes plutôt de confinement. Donc la dernière sous cette forme, mais pas la dernière, et c'est la troisième nouvelle, bonne j'espère, la semaine prochaine, donc on sera le je sais pas combien, je vais vous dire ça, et bien je vous propose un autre format à défaut d'être nouveau, donc le 23 décembre, donc beaucoup d'entre vous seront en vacances j'espère, ça sera, si j'arrive à le mener, ce que j'espère, ça sera un reportage, une semaine avec un astrophysicien, alors ça sera avec moi, donc je vais essayer de faire avec les moyens du bord, hein. Et puis comme effectivement on est encore en distanciel avec les étudiants, bah, ça sera une semaine un peu spéciale, parce que voilà, vous ne verrez pas d'étudiants, etc., mais je vais essayer quand même de vous faire un petit reportage, parce que j'ai beaucoup de demandes voilà, d'étudiants ou de collégiens qui demandent comment se passe une semaine dans un laboratoire de recherche, et en astrophysique en particulier. Donc l'idée, c'était de montrer quelques petites images, quelques petites scénettes, quelques petites séquences de comment ça se passe. Alors évidemment, je ne vais pas m'étendre, parce que voilà, mes collègues n'ont pas forcément envie d'être filmés, etc. Donc je ferai des scènes très courtes, et puis je ferai probablement une voix off. Enfin, je sais pas encore, je vais improviser. Hein. Je vous rappelle que je ne suis pas vidéaste, que je découvre, et que voilà, je n'ai pas beaucoup de compétences techniques à ce sujet. Mais en tout cas, c'est une idée qui m'intéresse, et voilà, donc ça sera fait avec les moyens du bord. Donc la semaine prochaine, voilà, embedded avec un astrophysicien pendant une semaine. Ce sera une séance plus courte, évidemment, que d'habitude. Voilà, et ben c'est parti pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous avons trois aspects, trois choses intéressantes à voir ensemble. La première, c'est art et astronomie, parce que finalement, c'est super. Voilà, il n'y a pas d'autre justification. Deuxièmement, comme promis depuis un certain temps, quelques séquences sur le télescope spatial James Webb Space Telescope, le JWST, qui est un futur télescope de la NASA, de l'ESA et de la CSA. Je vais vous parler de ça. Et puis troisièmement, je me suis rendu compte que je n'ai jamais parlé de ma recherche. Je suis voilà, astrophysicien, je vous ai parlé de plein de choses, mais je ne crois pas vous avoir parlé des travaux que je mène, évidemment, avec mes collègues. Donc je finirai par une petite... pas introduction, mais voilà, un petit survol de la science que je fais avec mes collègues sur à la recherche des premiers amas de galaxies, ou les proto-amas de galaxies, avec notamment des instruments spatiaux dans l'infrarouge. Voilà, et ben c'est parti pour ces trois parties, art et astronomie, JWST et ma recherche sur les premiers amas de galaxies. A tout de suite. C'est parti pour la première séquence, art et astronomie. Alors je vous propose de belles choses à voir et à concevoir, j'espère. La première, c'est, je l'ai vu lors de l'expo Lune au Grand Palais, qui est une pièce exceptionnelle du Louvre, et qui date d'il y a à peu près 4000 ans, hein, moins de 1000 ans à peu près, donc qui date de la troisième dynastie d'Ur, je ne sais pas trop comment on dit, mais en tout cas c'est une civilisation mésopotamienne, vous pouvez voir la page Wikipédia, qui relate de nombreuses choses assez extraordinaires, avec des tablettes cunéiformes, je suppose, de très belles œuvres, documents extrêmement riches. Et puis, quand vous allez tout en bas, vous trouvez cette pièce, qui est un poids, hein, pour qui servait à mesurer bah, donc le poids, et qui est offert et dédié au dieu Lune que l'on voit. Alors voici la photo un peu plus précisément, donc avec des inscriptions.
et puis une évocation de la Lune datant de plus de 4000 ans. Donc c'était très émouvant à voir en vrai lors de l'expo, et puis je suppose qu'elle sera visible au Louvre quand ça rouvrira. J'espère dans très peu de temps. Et donc on voit que la Lune, comme le Soleil, les astres en général sont très présents dans la culture humaine. Et là, voilà, quelque chose qui a été fait il y a 4000 ans. Donc je trouve ça assez émouvant de voir cette pièce qui aujourd'hui est considérée comme de l'art, mais voilà, qui était apparemment un outil standard utilisé dans cette civilisation. On saute quelques siècles, 1800 ans, on arrive à cette peinture de William Dyce, de 1837, donc 19e siècle, où on voit donc Francesca di Rimini, apparemment quelqu'un lui fait la cour, donc je ne connais pas complètement l'histoire de cette toile, mais ce qui est notable dans un contexte, disons, de gens intéressés par le ciel, c'est que l'on voit ce clair de lune absolument magnifique, avec la lumière cendrée. Vous savez que la lumière cendrée, c'est la petite partie sombre qu'on voit de la face visible de la lune, puisqu'on ne voit que la face visible par définition. Vous savez que la face cachée est cachée à la Terre, parce que en fait, la lune tourne avec la même période autour d'elle-même et autour de nous. C'est pour ça qu'elle nous montre toujours la même face, mais elle tourne bien. Et donc là, on voit, la peinture est extrêmement fine, parce qu'on voit la partie un peu sombre, donc sur laquelle il fait nuit, mais qui est toujours la partie visible. Donc on se situe 2-3 jours après la nouvelle lune, probablement. Et puis, donc il y a un teint très, très fin croissant, donc c'est juste après le coucher du soleil. Et puis un peu à gauche, on voit un point très brillant, qui est probablement la planète Vénus, j'imagine, et donc qui est très fidèle par rapport à ce qu'on peut voir, quand on peut le voir aujourd'hui encore, alors pas en ce moment, parce que Vénus est du matin, mais qu'on peut voir à chaque saison, même aujourd'hui. Et puis il y a quelques étoiles à gauche que je vous invite à regarder aussi. Alors j'ai pas fait des recherches, elles ont été faites certainement pour savoir quelles étoiles ou planètes ça représente. Mais en tout cas, voilà ce paysage paisible, vespéral, parce qu'on peut imaginer que ça soit le soir et pas à l'aube. À une certaine quiétude et puis une certaine esthétique. Donc 19e siècle. On passe au 20e siècle. Pareil, pour vous montrer des choses que j'ai trouvées inspirantes. Donc, Vassili Kandinsky, ça s'appelle « Gravitation », un terme consacré pour cette conférence confinée astro, où la gravitation joue un rôle primordial, essentiel, important en astrophysique. Et donc, on peut y voir alors ce qu'on veut, je ne me lancerai pas dans la description artistique, j'en suis bien incapable, mais voilà, on peut y voir des choses, et les couleurs, les patterns, les formes sont assez intrigantes et notables. Alors, Gravitation date de 1935, Vassili Kandinsky. On avance un petit peu dans l'époque contemporaine, on arrive à Marc Chagall. Marc Chagall, cette œuvre s'appelle Paysage bleu de 1949. Et alors, il y a toujours les amoureux, etc. Puis on voit que la lune est évoquée sous forme d'un poisson, mais on voit clairement que c'est la lune aussi. Donc là aussi, il y a une imagerie et des symboles tout à fait intéressants pour représenter la lune qui inspire, depuis les débuts, l'humanité. On passe à l'avant-dernière œuvre que je vous propose, toujours du XXe siècle. J'essaie d'aller de manière chronologique, je ne sais pas pourquoi, mais enfin voilà, c'est comme ça que je vous propose ce cheminement. Avec Johann Miro, je prononce probablement très mal, mais enfin Miro, que tout le monde connaît, Mur de la Lune, 1958. Alors je ne connaissais pas cette œuvre, c'est en me baladant un peu sur Internet, avec quelques minutes de pause, que j'ai pu la trouver. Donc Mur de la Lune, dont j'ignorais l'existence, et qui, donc on voit la Lune, avec une couleur éventuellement surprenante, mais voilà, comme Miro nous surprend toujours. Et qui est une œuvre, j'espère, inspirante pour vous aussi. Et puis je finis avec un artiste très contemporain, russe, je vais faire reload parce qu'elle est, qui s'appelle Leonid Tichkov. Son site web, c'est privatemoon.ru. Et pareil, c'était à l'expo du Grand Palais.
Et alors, ça part d'une idée très simple, qui est un croissant lumineux. Alors, qui est grand, hein, je sais pas, ça doit faire 2 mètres ou 1,50 m. Et cet artiste s'amuse depuis une dizaine d'années hein, à faire des photos dans des endroits plus ou moins probables. Vous voyez, c'est très graphique, c'est très inspirant. Et donc voilà, cet artiste fait le tour du monde et met sa private moon, donc sa lune privée en quelque sorte, dans des endroits divers. Et voilà, et je crois qu'on les a déjà vus. Et donc lors de cette expo il y a quelques mois, la private moon était visible en vrai dans une salle. J'ai beaucoup aimé cette série, donc vous allez sur son site, vous trouverez tous les lieux et toutes les photos. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était Art et Astronomie pour commencer. On passe au satellite prochain observatoire, le JWST. Nous allons aborder le thème du télescope spatial James Webb Space Telescope, le JWST, qui va être lancé normalement à la fin de l'année qui arrive, hein, octobre 2021, à confirmer avec tout ce que l'on sait sur cette période. Ce télescope est destiné à remplacer le télescope spatial Hubble, mais vous verrez qu'il y a de très grandes différences entre le Hubble et le JWST. Alors James Webb, d'abord qui c'est, parce que après tout, c'est qui, voilà, c'est qui ce gars. C'était l'un des premiers administrateurs de la NASA, qui a lancé de très nombreux projets. Et donc les gens de la NASA, pour honorer sa mémoire, ont donné son nom à ce grand télescope. Alors on va voir plusieurs petites vidéos qui sont publiques, qui sont sur le site de la NASA et de l'Agence spatiale européenne, et aussi chez les Canadiens, la CSA, parce qu'en fait vous allez voir que le JWST est un très très gros programme qui a duré plus de 15 ans, qui a coûté au total l'équivalent de plus de 10 milliards de dollars. Mais bon, ça s'est étalé sur de nombreuses années, ça a fait travailler des milliers de personnes. Donc voilà, le coût, c'est pas juste le coût comme ça de l'objet. Hein. L'objet coûte évidemment beaucoup moins cher, mais c'est tout l'investissement en matière grise, en technicité, en personnel, en gens, en tests, en développement qu'il a fallu financer pour obtenir ce très beau télescope. Alors, ces vidéos, je vais vous les montrer et puis je vais les commenter. Alors, elles sont en anglais parce que je n'en ai pas trouvé d'autres, mais j'imagine qu'il en existe dans d'autres langues. Hein. J'ai vu qu'il en existait en français aussi par mes collègues et amis du CEA. J'en parlerai un instant sur l'instrument MIRI. Donc, voici la première vidéo que je vais lancer. On va voir si ça marche. Donc, cette vidéo qui est censée fonctionner, voilà, nous montre la différence entre Hubble et le James Webb Space Telescope. Donc Hubble et Webb, les amis dans le ciel. Alors je vous fais la traduction simultanée. Donc Hubble à gauche et le James Webb à droite. Il faut que j'écoute un petit peu quand même. Donc ils sont de tailles différentes. Hein. Vous voyez les tailles de miroirs, notamment 2,40 m par rapport à 6,50 m. Donc plus le miroir est gros, plus vous pouvez accumuler de la lumière. Ils seront aussi à des endroits très différents. Hubble était en orbite vers 550 km. James Webb sera à plus d'un million de kilomètres. Il sera au point de Lagrange L2, donc beaucoup plus loin que la Terre et la Lune. Et puis surtout, le James Webb va observer dans l'infrarouge, ce que faisait pas vraiment Hubble. Donc dans le visible, vous voyez plein de choses, vous voyez par exemple de la poussière galactique, etc. Ici, c'est une nébuleuse. Et quand vous êtes dans l'infrarouge, vous arrivez à pénétrer dans ces nuages de poussière, donc vous arrivez à voir beaucoup mieux ce qui se passe dans ce qui concerne la formation d'étoiles. Donc voilà, NASA, ESA et CSA. Alors, ce que dit pas cette vidéo, parce qu'évidemment, ils ont fait des vidéos courtes et très compact, synthétique et au fait, hein, c'est ça l'idée, c'est que James Webb va pouvoir voir des galaxies très 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 lointaines, peut-être les premières, bon, je sais pas encore, mais en tout cas des galaxies beaucoup plus lointaines que ce qu'on imagine aujourd'hui. Donc c'est ça l'intérêt. Alors, quelle technologie va utiliser le JWST par rapport à Hubble? Il va utiliser des technologies complètement différentes. Alors déjà, le diamètre est beaucoup plus grand,
Et vous savez peut-être que pourquoi on était limité en diamètre dans les télescopes spatiaux, c'est qu'il fallait que ça rentre dans la fusée, dans la coiffe du lanceur. Et donc l'intérêt de James Webb, c'est que cet énorme miroir va être en fait plié dans la coiffe de l'Ariane 5, parce que c'est une Ariane 5 qui va lancer. Puis une fois dans l'espace, le miroir va se déployer et donc permettre d'avoir les fameux 6,50 m qui sont vraiment exceptionnels et très très attendus. Comme James Webb observe surtout dans l'infrarouge, le miroir est recouvert d'or, donc il apparaît jaune-orange, couleur de l'or. Alors on ne met pas de l'or parce que c'est fun ou que c'est cher, hein, on met de l'or parce que ça a des propriétés optiques et thermiques très 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 intéressantes. C'est le meilleur réflecteur de la lumière infrarouge que l'on connaisse, enfin l'un des meilleurs, tout en n'émettant pas de radiation thermique qui gênerait les détecteurs infrarouges. Donc voilà ce qu'on appelle une faible émissivité. Et donc ça reflète très bien la lumière tout en émettant très peu de lumière parasite. C'est pour ça que c'est recouvert d'or. Et puis donc il y a quatre instruments. Un instrument infrarouge proche, NIRCam, qui va faire des images extraordinaires, donc mieux que Hubble. Il y a la caméra européenne qui s'appelle MIRI, qui observe dans l'infrarouge un peu plus lointain, l'infrarouge moyen. Alors elle fera des superbes images aussi, mais elle a une partie aussi intéressante de spectroscopie et puis de coronographie pour mesurer l'environnement des exoplanètes. Parce que figurez-vous que dans l'infrarouge, c'est beaucoup plus facile, même si c'est très difficile, de voir les exoplanètes parce que l'émission de l'étoile est inférieure, parce que dans l'infrarouge, les étoiles rayonnent moins. Par contre, l'émission des planètes est supérieure, parce que comme elles ont en général des températures de quelques, voilà, de l'ordre de la centaine de Kelvin ou un peu plus, voire plus, hein, ça rayonne beaucoup plus dans l'infrarouge que dans le visible. Donc vous gagnez en contraste parce que l'étoile brille moins, entre guillemets, et la planète brille plus, réfléchit plus, hein, bien sûr, et puis elle brille parce qu'elle a de l'émission thermique. Donc en fait, vous avez tout intérêt à aller dans l'infrarouge pour observer les exoplanètes. Et donc il y a une partie coronographie infrarouge moyen qui a été là développée au CEA à Saclay, donc proche de l'université Paris-Saclay, avec un super instrument. Et vous verrez les vidéos, je vous invite à voir les vidéos du CEA sur l'instrument MIRI. Et puis évidemment, pour chacun des instruments, il y a eu des centaines de collègues qui ont été impliqués. Hein, voilà, nous-mêmes à l'IAS, on a été impliqués pour la partie analyse et traitement des données de MIRI. Et puis vous avez encore deux autres instruments. Un instrument européen encore, NIRSPEC, qui va faire de la spectroscopie, qui est un super instrument vraiment incroyable, avec des micro-miroirs qui se tournent pour laisser passer la lumière et faire des spectres juste sur les galaxies qu'on voudra. Et puis vous avez NIRIS, qui est une sorte de caméra spectrographe canadienne, faite donc par la CSA et que je compte aussi utiliser, parce que voilà, on a des programmes proposés avec eux qui va permettre de faire des spectres et de trouver des redshifts et puis des raies d'émission dans les galaxies lointaines. Alors, je vous mets cette petite vidéo qui explique ce que va être le JWST. Donc voilà, c'est un très grand observatoire. Donc ce sont des images d'animation. Et ce JWST va augmenter les découvertes au-delà de ce qu'a fait le HST, donc le Space Telescope. Donc il va observer les endroits et comment naissent les planètes, les étoiles et les galaxies. Donc c'est le second administrateur, James Webb. Et c'est lui qui a proposé de nombreuses missions spatiales scientifiques. Donc le miroir est très grand. Le plus grand envoyé dans l'espace. 100 fois plus puissant que Hubble. Bon, alors là, ça dépend comment on compte. Hein. Mais alors voilà, il est tellement grand qu'il a dû être plié pour rentrer dans l'Ariane 5. Et puis, quand il sera dans l'espace, le bouclier thermique devra se déplier, et puis le miroir aussi devra se déplier. Donc voilà une simulation du lancement d'Ariane 5 donc à Kourou. Donc voilà, il semble découvrir que l'équateur c'est mieux pour aller dans l'espace, mais ça on le sait, d'où l'intérêt de Kourou. Donc voilà, il sera à peu près 1 500 000 km de la Terre, au point de Lagrange L2 du système Soleil-Terre. JWST va observer dans l'infrarouge. Je l'évoquais pour voir les premières galaxies très très lointaines.
quelques voilà, centaines de milliers d'années après le Big Bang. En gros, on espère des redshifts 10 et au-delà. Hein. Alors voilà, donc les caméras sont tellement sensibles qu'il faut bloquer la lumière du soleil, et donc il y a un sun shield, donc un bouclier solaire, qui doit être déployé pour en fait que le James Webb soit toujours dans l'ombre de ce shield. Voilà. Et donc ça va être extraordinaire. Donc là c'est l'image du Hubble Deep Field. Et on va faire mieux bien sûr. Et donc ils finissent en disant que le James Webb est une mission internationale avec l'Agence spatiale européenne, l'ESA, et la CSA, donc l'Agence spatiale canadienne. Et donc, les scientifiques de toute la planète vont pouvoir utiliser Webb. C'est ce qu'on a fait récemment avec plus de 1200 propositions de scientifiques de par le monde pour utiliser Webb. Et donc, j'en fais partie. Voilà, je suis responsable d'une observation et je participe aussi à d'autres programmes. Et donc, ces programmes vont être évalués par des collègues de manière anonyme. Enfin, nos programmes sont anonymes. Et sont évalués par les collègues sur la base juste de la qualité scientifique et de l'intérêt de l'observation, parce qu'a priori, toutes les observations ont un intérêt scientifique intéressant. Hein. On ne va pas s'amuser à envoyer des choses qui ne sont pas intéressantes. Donc elles seront toutes intéressantes, mais eux vont faire des priorités, parce qu'ils estiment que peut-être il y a des choses plus intéressantes à faire au début de la mission, et d'autres peut-être à la fin, ou d'autres qui sont tout à fait intéressantes, mais pour lesquelles James Webb est peut-être pas le meilleur outil. Donc voilà, sur les 1200, ils vont devoir beaucoup écrémer. Et puis, ben, on va voir qui va gagner pour cette première année. Hein, voilà. Donc, j'espère faire partie des gagnants, mais on saura ça dans plusieurs mois. Donc, suspense. Alors, la vidéo suivante va nous montrer comment le miroir est replié et comment il va se déployer. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc les folding mirrors, donc les miroirs pliés, en quelque sorte. Alors, est-ce que ça marche ou pas? Pourquoi il y a une petite... Attendez, je vous relance ça. Oui, il y avait un souci, donc je vous relance la vidéo. Donc voilà, vous avez les côtés avec les trois miroirs qui doivent se placer pour que, à la fin, le grand miroir soit complet. Donc, vous voyez que le miroir principal est composé d'hexagones. Vous mettez ça dans votre Ariane 5. Voilà, c'est composé de différentes parties, le satellite. Voilà, le système de repliage a été testé plusieurs fois. Ils nous disent que dans l'espace, voilà, on est en chute libre, donc il n'y a pas de poids. Donc tous ces tests ont été faits. Vous voyez le miroir complètement installé et dans sa configuration finale. Alors là, c'est une simulation et voilà ce qui devra se passer dans l'espace. Donc ça va être un super enjeu parce que dans l'espace, même si tout a été testé, hein, le JWST devra d'abord déployer son sun shield, donc son bouclier solaire, qui est composé de plusieurs couches, hein, plusieurs layers, comme on dit. Et donc, il ne faut pas que ça se fripe, etc. Donc, ça fait une opération très délicate. Et puis ensuite, bah, les trois miroirs devront se décaler, enfin, se remettre en place. Ensuite, le secondaire devra se rabattre. Et ensuite, il y a des tests qui devront être faits pour vraiment bien aligner les miroirs pour que l'image soit d'une qualité parfaite. On appelle ça la PSF, Point Spread Function, donc la fonction d'étalement de points. Et donc, c'est avec NIRCam qui vont faire ça. C'est mes collègues de l'Université d'Arizona qui sont responsables de ça. Pour voilà, bouger un tout petit peu les miroirs de fractions de microns pour que bah, l'image soit parfaite. Et ensuite, les observations pourront commencer de manière routinière. Et puis, j'ai une dernière petite vidéo qui a été faite par les Européens qui raconte comment James Webb va être intéressant pour la science. Alors, je vous la mets, en espérant que ça marche mieux que tout à l'heure. Voilà. Tout ça, vous pouvez le trouver sur le site JWST. Alors, ça date d'il y a deux ans, un peu plus de deux ans et demi. Donc, voilà comment ça va se déployer. Vous devez tirer les sun shields. Donc les boucliers solaires,
Alors, il y a plusieurs couches, comme vous pouvez le voir en bas. Alors ça sera dans l'espace. Hein, voilà. Donc vous déployez tout. Et ensuite, vous déployez le secondaire. Alors, voilà, c'est dans ce sens-là. Et ensuite, vous déployez les 3 et 3 côté du miroir. Ensuite, vous faites des tests d'alignement, comme je l'évoquais. Et là, votre télescope JWST sera complètement opérationnel dans l'espace. Alors là, c'est une collègue qui dit que ça sera formidable, notamment pour voir la formation d'étoiles dans l'univers, donc dans les galaxies proches, lointaines et très très lointaines, mais également dans notre Voie lactée, parce qu'on ne pouvait pas trop le voir d'abord dans le visible, donc avec l'infrarouge ça aide, et puis en plus on aura une résolution angulaire qui sera bien meilleure que tout ce qui s'est fait auparavant. Donc le JWST est un projet international, donc avec l'Europe en particulier, les Canadiens également. Donc là, c'est à Baltimore, aux États-Unis, qui est le centre du Space Telescope. Donc pour le télescope Hubble, mais aussi pour le JWST, parce que c'est là que tout va être concentré. Donc ce qu'elle évoque, cette collègue, c'est comment voir les exoplanètes. Donc on va faire des séries temporelles et puis on va essayer de voir la signature de la présence d'une exoplanète, notamment thermique, grâce à l'infrarouge. Et on voit derrière l'image, un peu à droite de son visage, les multicouches qui seront destinées à protéger du rayonnement thermique et du Soleil. Donc il y a de nombreuses conférences de préparation scientifique. Donc ce collègue évoque le fait que le James Webb est tellement performant qu'on pourra faire beaucoup de sciences de type planète, exoplanète, notre Voie lactée, les galaxies proches et les galaxies très lointaines. C'est vraiment un observatoire multifonction, une sorte de couteau suisse de super luxe de l'astrophysique de demain dans l'infrarouge. Donc on pourra avoir des galaxies très lointaines, et ça c'est pas mal. Donc ça, c'est une collègue européenne qui est au STSCI, donc sur la côte est des États-Unis, qui est l'une des responsables du James Webb. Et donc, elle évoque le fait qu'on peut rêver à des découvertes inattendues. Hein, c'est un peu aussi le principe de ces observatoires qui sont d'une sensibilité et de performance très très importante par rapport à ce qu'il y avait dans le passé. Et donc, nous nous attendons à l'inattendu. Et voilà une petite simulation un petit peu accélérée du lancement, qu'on a un petit peu vu juste avant. Donc c'est Valerian 5 qui part de Kourou, en Guyane. Le fond cosmologique de Planck, que James Webb ne verra pas, parce que c'est pas la même longueur d'onde. Et puis je crois que la vidéo finit, voilà. On reconnaît les astronautes européens là dans l'ISS, donc c'est pas le... Et bientôt le rover européen aussi. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Donc vous voyez que James Webb, ça va être... extraordinaire, très sympa, voilà, un peu comme Hubble l'a été, mais en mieux. Et donc j'espère que d'abord la mise à poste, donc c'est-à-dire le lancement, et puis les premières opérations se dérouleront bien, donc a priori octobre 2021, évidemment à confirmer. Et puis après, bah, nous aurons des observations. Donc comment observe-t-on, nous, en tant qu'astrophysiciens? Il y a deux manières. Si vous faites partie d'une équipe qui a participé à la construction des instruments, vous êtes dans ce qu'on appelle le temps garanti, parce que bah, vous avez passé 15 ans ou 20 ans de votre vie à participer à la construction des instruments, donc voilà, le reward, donc la récompense, entre guillemets, c'est qu'on vous donne un peu de temps pour vous, pour faire de la science. Alors vous n'êtes pas tout seul, hein, il y a à peu près 500 personnes, sinon plus, dans chaque consortium d'instruments, donc ils se sont mis d'accord, et voilà, par exemple pour MIRI, ils vont privilégier plusieurs sujets scientifiques, notamment les exoplanètes et puis le milieu interstellaire. Mes collègues de NIRCAM vont privilégier l'imagerie de champs profonds pour obtenir des détections de galaxies très très lointaines en premier, etc. Et donc j'ai la chance de participer un petit peu à l'un de ces programmes de temps garanti grâce à des collègues américains. Donc on va pouvoir observer des choses épatantes. Voilà, je ne dévoile pas tout, mais voilà, donc on a la garantie d'avoir
quelques belles choses. Et puis l'autre manière d'avoir du temps, c'est ce qu'on appelle du temps ouvert ou GEO en anglais, guest observer, guest observers, donc observatoire, disons comment on dirait en français, pas observeur, observe, enfin, bref, personne qui observe. Observateur, voilà, je cherche. Observateur, invité n'est pas le terme, mais voilà, observateur supplémentaire. Voilà. Dans le langage, alors, le langage de la NASA et de l'ESA n'est pas exactement le même. À l'ESA, on parle plutôt de OT, donc open time, donc temps ouvert, donc qui est ouvert à tous, évidemment, modulo processus de sélection, hein, évidemment, ça c'est vrai dans toutes les agences spatiales. Et puis en Europe, pour la partie temps garanti que la NASA appelle GTO, donc Guaranteed Time Observers, donc temps garanti, enfin, observateur de temps garanti, en Europe, on appelle ça OT, donc, GT, donc Guaranteed Time, tout simplement. Donc, mais le principe est le même. Donc, alors, il y a à peu près trois semaines était la date limite pour le GEO-1 du JWST. Donc, c'était la date limite pour le temps ouvert à toute la communauté scientifique pour proposer ses programmes. Il y en aura un par an. Alors, même si le satellite n'est pas encore lancé, il faut beaucoup de temps pour préparer tout ça. Donc, les scientifiques vont se réunir, donc ils prennent des scientifiques de manière, alors non pas aléatoire, mais en tout cas avec un certain secret pour pas que, après, si on sait qu'on a un copain qui est dans le comité, on dit eh, vas-y, fais passer ma proposale, etc. Donc voilà, tout ça est transparent après coup, hein, bien sûr, mais sur le coup, c'est un peu secret pour éviter toutes les pressions et les conflits d'intérêts de la sorte. Donc nos propositions, il y a à peu près 1200 propositions, je l'évoquais, sont soumises, donc ont été soumises via une interface, voilà, avec une application, etc. Donc on devait mettre plusieurs pages d'un rapport scientifique avec des figures où on dit pourquoi la science est intéressante, pourquoi on a bien préparé ce programme, qu'est-ce qu'il faut observer, comment, et puis comment on va analyser les données. Donc c'est une sorte de comme si c'était un article scientifique, sauf qu'on n'a pas encore les données, donc on explique tout, la justification, etc. Et l'idée, c'est de convaincre les collègues de dire ce programme est vraiment intéressant. Et donc une fois que ces programmes seront évalués, ils seront notés et ils seront classés. Et donc ils prendront que les premiers. Alors sur les 1200, je ne sais pas combien ils vont sélectionner, mais à mon avis, ça devrait être de l'ordre de la centaine au plus. Donc vous voyez, il y a moins de 1 sur 12 programmes qui sera accepté. Évidemment, après, ça dépend de la longueur, puisqu'on ne demande pas tous le même nombre d'heures. Hein. Il y a tout un tas de subtilités comme ça, mais c'est peut-être même 1 sur 20 qui va être pris. Donc on sait que la compétition est très très forte, même si tous nos programmes scientifiques sont intéressants. Mais voilà, il y aura des priorités. Il y a peut-être des programmes qui se ressemblent. Donc dans certains cas, ils diront peut-être à une équipe oui, puis aux autres non. Sur le mode, s'il y a 4 fois à peu près la même chose, on n'en donne qu'un, et puis débrouillez-vous ensuite. Voilà, il y a tout un tas d'arbitrages comme ça qui vont se faire dans les prochains mois. Et donc on espère d'abord que notre programme sera accepté, et puis ensuite que les données seront de très bonne qualité, ce dont on ne doute pas. Donc voilà comment ça fonctionne, et puis après on attend les données. Nos collègues qui ont préparé tout le data processing, donc tout le traitement des données, parce que c'est quand même des données très très difficiles à traiter, alors un peu moins que Planck ou que Herschel, néanmoins c'est quand même des données pas faciles, puisque l'infrarouge est un peu spécifique. Néanmoins ils vont y arriver, hein, parce que voilà, on connaît, hein, certains détecteurs sont très proches de ceux qu'on avait sur Spitzer avec MIPS notamment, sur lequel j'ai eu la chance de travailler à la NASA il y a une vingtaine d'années. Et donc voilà, il y a quand même des choses très très connues et des traitements qui fonctionnent très très bien. Donc voilà, prochain épisode, j'imagine, dans un peu moins d'un an, avec le lancement du JWST, avec succès, nous espérons tous. Et pour la dernière séquence, je vais évoquer avec vous quel type de recherche je mène avec mes collègues sur les premiers amas de galaxies qu'on essaie de voir. Voilà, à tout de suite pour ma recherche. Parlons de mes recherches, des recherches dans lesquelles je suis impliqué. Alors je m'intéresse à la manière dont les très grandes structures de l'univers, c'est-à-dire les amas de galaxies, se forment
il y a longtemps dans l'univers, donc dans le passé, hein, loin et dans le passé. Vous savez que regarder loin, c'est regarder dans le passé, dans l'univers, hein, à cause de la finitude de la vitesse de la lumière. Et donc on essaie de comprendre comment ces premiers amas de galaxies se sont formés, en particulier le lien entre matière noire et matière ordinaire, matière dite baryonique, le gaz, comment les galaxies se forment. Tout cela part d'un constat qui est qu'aujourd'hui, on voit des grands amas de galaxies très massifs, qui ont donc probablement mis du temps à se former. Et puis c'est un petit peu plus dur de retrouver leurs traces, voilà, enfin la trace de leur voisins, hein, de leurs anciens, dans les temps reculés de l'univers, et c'est ça l'enjeu d'essayer de comprendre comment ces grandes structures se sont formées. Alors j'ai quelques images à vous montrer. Le premier constat, le suivant, c'est que on sait que au tout début de l'univers, celui-ci est très homogène et isotrope. Hein, cette très belle image représente tout l'univers à peu près 370 000 ans après le Big Bang, hein, redshift 1095, c'est l'image obtenue par le satellite Planck, même si ça saute un peu, je ne sais pas trop pourquoi, mais vous voyez l'image. Donc c'est tout le ciel observé par le satellite Planck qui représente les variations de température qui sont minimes d'un point à l'autre, hein, c'est quelques centaines de microkelvin. Il y a une relation entre température mesurée et puis densité dans ces petites surdensités et sous-densités de matière. Et donc cette image nous montre que voilà, redshift 1095, 370 000 ans après le Big Bang, l'univers était très homogène, il y avait des petites fluctuations, très petites, que l'on voit sur cette image très bien, on les a mis en évidence pour l'image justement, mais en absolu elles sont très très faibles, hein, 100 millionième en moyenne de contraste de densité. Donc on part d'un univers qui est très homogène et isotrope, même s'il y a quand même des petites anisotropies par-ci, par-là. Et on arrive aujourd'hui à un univers très hétérogène, avec des galaxies très denses d'un côté, puis du vide autour, et les galaxies ayant tendance à se mettre ensemble dans des amas de galaxies, avec de la matière noire et du gaz chaud autour, et puis il y a des vides autour. Voilà, donc il y a des vides et des pleins. Et donc on essaie de comprendre comment ces vides et ces pleins se sont formés à partir de ces fluctuations. Alors, il y a plusieurs éléments qui permettent de comprendre cette évolution. Il y a les observations, j'en ai parlé dans certaines autres conférences confinées, notamment les observations de Planck, mais aussi de relevés de galaxies. Il y a des aspects théoriques, notamment avec Jim Peebles, dont j'ai parlé lors d'une séance, hein, qui a le prix Nobel de physique 2019. Et d'autres, bien sûr, c'est toute une communauté d'astrophysiciens et d'astrophysiciennes depuis des décennies, presque même un siècle, hein, dont j'évoque les résultats. Donc si je cite quelques noms, cela ne doit absolument pas cacher le fait que c'est des très grands travaux d'équipe. Donc observation, théorie et puis simulation. Les simulations, vous mettez la physique que vous connaissez, vous mettez les ingrédients que vous connaissez à un instant T. Alors que quand je dis vous connaissez, on met par exemple de la matière noire. On ne sait pas ce qu'est la matière noire, mais on pense qu'elle est là et qu'elle agit. Donc on met ses propriétés de gravitation, on fait tourner l'ordinateur et on voit ce que ça donne. Alors dans le passé, les simulations Millennium ont bien fonctionné. Elles ont montré de très belles choses. Elles montrent notamment comment les galaxies et les amas de galaxies se condensent. Alors je vais vous montrer quelques images. Cette image représente une tranche d'univers dans une simulation. Hein, voilà, à peu près 30 mégaparsecs. Donc ça, c'était un redshift de 18 à peu près. Donc à peu près 200 millions d'années après le Big Bang. Et donc on voit les petites... Donc c'est que la matière noire, hein, sur cette image. Donc on voit qu'il y a un grumeau qui commence à apparaître sous l'effet de la gravité. Et pour vous donner une idée, 30 mégaparsecs, c'est à peu près 10 millions d'années-lumière, c'est ça, je me trompe pas, parce que je crois qu'un parsec c'est 3,26 années-lumière, donc voilà, on peut arrondir à 10 millions d'années-lumière. Donc là on a un redshift de 18,3 à 200 millions d'années après le Big Bang. Donc ils ont fait un film, hein, mais voilà, je ne l'ai pas retrouvé, donc ils ont mis des images. Si vous venez beaucoup plus tard, donc un redshift de 5,7 qui correspond à 1 gigaheure, enfin 1 milliard d'années après le Big Bang, vous voyez que la matière, elle a eu le temps de se condenser, vous voyez, entre les deux. Et elle ne se condense pas de manière sphérique, elle se condense grâce à des filaments. Parce que voilà, la physique vous dit que finalement, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Et puis que ça dépend aussi de la manière dont les premières anisotropies étaient distribuées. Donc, vous voyez que ça commence à arriver. Donc voilà, redshift 18,3, redshift 5,7. Et puis si on avance dans le temps encore, alors toujours pour ces simulations, on arrive à un redshift 1,4 à peu près à 5 milliards d'années après le Big Bang. Vous voyez, alors je remonte le temps, hein, 18,3,
5.3, 5.7 en redshift et 1.4, donc 4,7 milliards d'années. On voit que là, au centre, va se former un méga amas de galaxies. Et puis, si on arrive aujourd'hui, selon cette simulation, voilà, la densité est maximale et l'amas de galaxies se trouve finalement au nœud de ces filaments, qui d'ailleurs ressemblent à des neurones, hein, ça, mais évidemment, c'est pas la même échelle, mais c'est assez rigolo. Donc voilà l'évolution, très grand redshift, ça se condense et puis ça forme des amas de galaxies, et puis des plus petits nœuds un petit peu autour. Voilà comment on comprend la formation des amas de galaxies dans l'univers. Et moi, j'essaie avec mes collègues d'observer cette séquence, parce que la théorie c'est bien, les simulations c'est mieux, mais une preuve observationnelle qui permet de corroborer et de comprendre tout ce qui se passe, c'est encore mieux. Donc il faut les trois, il n'y en a pas un qui est plus important, il faut vraiment les trois. Donc moi je m'occupe de la partie observationnelle, et pour observer ces premières phases d'amas de galaxies, donc qu'on pourrait imaginer trouver dans ces images, alors moi j'essaie de trouver ça avec des redshifts de 2 ou 3, donc c'est un peu entre cette image-ci et cette image-là, ça commence à se condenser pas mal, et bien on pense que au centre de ces structures, le gaz baryonique, froid, voilà, se condense pour former beaucoup d'étoiles d'un coup. On appelle ça le starburst ou flambée de formation d'étoiles. Et on pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc pour cela, moi j'utilise les satellites Planck, Herschel, Spitzer, et puis donc bientôt j'espère JWST, pour justement voir ces structures s'allumer en infrarouge, parce que dans le visible, elles sont invisibles quasiment, hein, parce que vous savez peut-être que la formation stellaire très intense se déroule dans des nuages moléculaires très denses, donc très opaques. Donc la lumière infrarouge arrive à passer, mais pas la lumière visible. Donc en fait, toutes ces structures qui forment beaucoup d'étoiles dans l'univers lointain sont invisibles ou réellement visibles. Il faut aller dans l'infrarouge. C'est pas par hasard que JWST va dans l'infrarouge. Il y a aussi d'autres raisons, mais c'est l'une de ces raisons. Et donc, ce que j'ai fait avec mes collègues, hein, là, ce sont des grandes équipes, il y a quelques années, on a utilisé le satellite Planck. Donc voici une image, et voici un communiqué de presse de la NASA, hein, le JPL, on voit pas en haut puisque j'ai un peu tronqué, mais donc avec mes collègues, j'ai obtenu ce petit communiqué de presse de la NASA et évidemment de l'Agence spatiale européenne, du CNES, etc., où on a trouvé plus de 2000 points dans le ciel grâce au satellite Planck, des points qui étaient brillants mais qui correspondent à une température froide, hein, on appelle ça les points froids du fond infrarouge de galaxies, qui témoignait de la présence de lumière infrarouge très intense à certains endroits. Et donc nous, ça a fait tilt, on s'est dit, c'est peut-être là que se trouvent des proto-amas de galaxies, c'est-à-dire des amas de galaxies en train de se former, comme on a vu dans les simulations, mais ça, Planck ne pourra jamais nous le dire. Par contre, ce que voit Planck, c'est le fait qu'il y a beaucoup de lumière infrarouge très intense qui vient. Et ça, nous, ça nous dit qu'il y a peut-être beaucoup de formations stellaires enfouies, donc invisibles dans le domaine visible, mais très brillantes dans le domaine infrarouge, et donc il fallait aller voir. Donc Planck, comme Planck observait la totalité du ciel dans des bandes infrarouges très lointaines jusqu'aux ondes centimétriques, avec mes collègues, notamment de Toulouse, mais pas que, on a détecté voilà, plus de 2000 points dans le ciel qui étaient des candidats à être des proto-amas de galaxies. Donc voilà le communiqué de presse JPL, Caltech, NASA disait voilà, les astronomes ont fouillé et ont trouvé un trésor d'amas de galaxies. Et donc les petits points noirs représentent les endroits sur lesquels on a observé avec le satellite Herschel, qui est un autre satellite de l'Agence spatiale européenne, qui lui a une sensibilité et une résolution angulaire bien meilleure que Planck. En revanche, Herschel ne pouvait pas observer tout le ciel. Hein. Donc chaque satellite est vraiment spécialisé dans une tâche particulière. C'est grâce à Planck qu'on a pris les meilleurs endroits dans tout le ciel, parce qu'on avait tout le ciel, donc on a pris les meilleurs endroits avec les points brillants dans le fond infrarouge de galaxies. Et puis on a dit Herschel, bah, va regarder un peu mieux, un peu plus précisément, et c'est là qu'on a fait ces découvertes. Donc là, c'était le communiqué de la NASA, et je vous montre le communiqué de l'ESA qu'on a fait, où on a repris cette image, voilà, ça explique, il y a des petites interviews de nous, etc. Et donc, si je clique, normalement, ça devrait apparaître, cette image. Donc je reprends avec ces images de Planck et d'Herschel. Donc Planck au centre, et puis Herschel sur les bords, et puis, parce que voilà, c'était l'image du communiqué de presse ESA, donc maintenant que j'ai réussi à la télécharger, on voit peut-être un peu mieux.
Et sur le côté, on voit 9 exemples hein, de mémoire sur les 230 qu'on a en fait, d'observation Herschel, donc beaucoup plus précise. Donc tous les petits carrés que vous voyez correspondent aux petits points qui sont sur l'image Planck. Et à chaque fois, toutes les zones colorées sont des galaxies que vous voyez dans Herschel, sur les bords. Et puis on a mis des contours pour montrer la surdensité de galaxies, et puis faire des études statistiques de est-ce que c'est surdense ou pas, de combien, etc. Donc je vous passe les détails, mais on a montré à l'époque, il y a quelques années, donc ces points Planck, quand ils étaient observés par Herschel, vers 300 microlongueurs d'onde, montraient à chaque fois beaucoup de galaxies très compactes et très, très surdenses, c'est-à-dire vraiment des groupes de galaxies. Donc ça allait dans la bonne direction, ça semblait dire effectivement que Planck avait vu, sans le détailler, mais des zones très denses de galaxies qui rayonnent beaucoup dans l'infrarouge, donc qui forment beaucoup d'étoiles. Ça, c'était démontré. La chose qu'on ne savait pas et qu'on ne sait finalement toujours pas complètement, c'est est-ce que ces observations nous disent que ce sont vraiment des amas de galaxies, ou est-ce que ce sont finalement des effets d'alignement, hein, parce qu'il se peut qu'il y ait des galaxies qui n'aient rien à voir les unes avec les autres, mais qui par chance soient alignées. Voilà, j'essaie de le mettre à l'écran. Et puis nous, comme on voit une image, on voit l'accumulation de tout le monde. Ça, c'est tout à fait possible. On pense même qu'il y a beaucoup de cas de cette sorte. C'est pour ça qu'il faut des observations complémentaires. Alors, voici un snapshot, une vue d'ensemble de pas mal de galaxies qu'on a, prises avec Herschel. Donc ça, c'est l'image qui sont issues de thèses que j'ai dirigées. Hein. J'ai plusieurs thèses sur ce sujet avec des jeunes collègues. Et à chaque fois, une image représente un des champs Herschel que Herschel observait suite aux observations de Planck. Et à chaque fois, on voit plein de galaxies au milieu. Voilà, on pourrait presque faire un calendrier, mais pas complètement. Et puis, donc, depuis toutes ces années, on essaie de comprendre est-ce que ce sont vraiment des proto-amas de galaxies, est-ce qu'ils sont là, est-ce que ce ne sont pas des effets de ligne de visée, etc. Puis très récemment, avec plein d'autres collègues, hein, évidemment, je travaille en groupe, on a réussi à trouver des redshifts. Alors, cette source est un redshift 2.5, donc c'est quand même pas mal, ce qui correspondrait à un âge de quelques milliards d'années après le Big Bang. Et donc, c'est les images d'en dessous. Vous avez l'image Herschel en fausse couleur, hein, puisque évidemment c'est dans le submillimétrique. On a mis le contour blanc qui est la zone Planck. Et puis cette source ici qui est assez brillante, on avait obtenu grâce à l'IRAM, hein, qui est un télescope notamment avec une contribution française, on avait obtenu le redshift de 2.5. Et puis quand on zoome, on a avec des observations au sol, notamment une galaxie rouge ici, mais d'autres aussi. Et puis à droite, c'est avec Spitzer notamment, dans l'infrarouge proche aussi. Le fait qu'il y a plusieurs galaxies qui sont concentrées et donc qui sont à des redshifts 2.5, ce qui est tout à fait notable. Et donc on essaie, c'est un peu le schéma d'en haut pris d'un article d'un collègue japonais, on essaie de comprendre comment les amas de galaxies, c'est pour ça que j'ai mis des points d'interrogation, comment les amas de galaxies se forment, se condensent, forment des étoiles et puis à la fin s'arrêtent un petit peu. Donc rouge, ça veut dire des galaxies massives et puis plus proches de nous qui ne forment plus beaucoup d'étoiles. En revanche, bleu, c'est des galaxies qui forment beaucoup d'étoiles, encore a priori assez peu massives. Et puis verte, c'est des galaxies un petit peu en transition. Donc c'est un schéma qui dit qu'en fait, on prend plein de galaxies qui forment beaucoup d'étoiles, qui se condensent. Puis à un moment, le gaz vient à manquer au centre. Par contre, il est toujours présent à l'extérieur, donc peut former beaucoup d'étoiles dans la galaxie. Et puis à la fin, le gaz est consommé. Et, voilà. Et donc les galaxies sont massives avec beaucoup d'étoiles parce que le gaz a servi à former les étoiles. Voilà. Et donc nous on parle en redshift parce que c'est un petit peu plus simple et c'est comme ça qu'on montre l'évolution de l'univers et des grandes structures. Et donc cela occupe beaucoup de mon temps, mais c'est très excitant. J'ai plein de super collègues aux États-Unis, en Europe principalement, mais aussi au Japon. Voilà. Et donc on a des téléconférences régulières, presque toutes les semaines, et puis plus quand c'est nécessaire, quand il y a des projets à rendre ou des grosses demandes à faire. Et puis l'idée c'est de poursuivre avec des observations, des simulations, raffiner la théorie, et puis essayer de bien comprendre ce que sont ces proto-amas de galaxies. Voilà, j'ai fait vite, mais je trouvais intéressant peut-être d'évoquer ce sur quoi je travaillais en ce moment. Ce sont des travaux au long cours. On implique des étudiants, on implique des collègues de nombreux pays. C'est absolument passionnant.
Voilà, et ben, ceci achève notre 13e conférence Confinée Astro. On a parlé d'art et d'astronomie, du JWST qui va être lancé, j'espère, bientôt, et puis des proto-amas de galaxies avec lesquels on fera plein de choses, notamment avec le satellite Euclide sur lequel je travaille beaucoup, mais peut-être que voilà, je prendrai une autre occasion pour vous en parler. Eh bien, bonne continuation, bon déconfinement, même si le déconfinement est un peu voilà, particulier, voilà, notamment tous les le monde de la culture qui souffre et pour lequel on aurait aimé avoir plus de soutien, tout comme le monde des universités. On espère que les universités vont pouvoir accueillir de nouveau les étudiants en présentiel très tôt en janvier, hein, puisque évidemment les universités n'ont pas fermé, mais les cours étaient en distanciel, ce qui fait souffrir beaucoup de gens, en particulier les étudiants. Donc voilà, une pensée pour eux. On espère les revoir très bientôt. Et puis donc rendez-vous la semaine prochaine, le 23 décembre, pour une petite conférence confinée, mais un peu spéciale, avec un reportage, voilà, une semaine avec un astrophysicien pour voir un petit peu comment tout ça fonctionne. Portez-vous bien, profitez bien, faites attention évidemment, et puis à très bientôt. Ciao, au revoir. Now have primary control of critical vehicle functions.